Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer ensemble un filet mignon de porc à la crème d'ail. Ça vous tente? Allez, on y va! Je commence par enlever la fine peau blanche, c'est-à-dire le nerf. Alors, petit conseil, gardez un peu de graisse sur votre filet mignon afin qu'il soit moins sec après la cuisson. Maintenant, je vais le saler et le poivrer. Dans une poêle, je vais faire colorer mon filet mignon avec une goutte d'huile et une noisette de beurre. Une fois notre filet bien coloré, je baisse le feu et je laisse cuire pendant 20 minutes. Je vais vérifier la cuisson de mon filet à l'aide de la lame de mon couteau, comme ceci. Si la lame en ressort chaude, c'est qu'il est cuit. C'est prêt. Je vais maintenant le découper sur ma planche en petits médaillons. Si vos médaillons ne sont pas assez cuits, vous pouvez les remettre une petite minute dans la poêle afin de terminer leur cuisson. Là, il est parfait. Je vais maintenant préparer ma sauce. Dans ma poêle, je vais déglacer avec 10 à 15 cl d'eau. Avec ma spatule en bois, je vais décoller les sucs. Et je laisse cuire quelques minutes. Voilà, nos sucs sont décollés et le jus a bien le goût de viande. Je vais maintenant terminer ma sauce avec la crème fraîche, l'ail, voilà, notre sauce sent bien l'ail. Je vais la laisser épaissir quelques minutes. Ma sauce est maintenant prête. Je n'ai plus qu'à y déposer mes médaillons. Nos médaillons sont maintenant prêts. Il ne nous reste plus qu'à les dresser sur une assiette et de verser délicatement la sauce par-dessus. Servi avec une purée de pommes de terre maison, ça sera un délice. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.